J'ai été invité à cette formation. Mon épouse m'a demandé de venir participer à cette information. C'est un forum où on a assez d'informations pour débuter. Et je pense que c'est une bonne tribune pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, avoir la bonne démarche et surtout l'organisation à faire pour la réussite d'un tel projet. Zadi Maounion Arnaud, gérant d'agence immobilière au Bénin. Je suis souvent, puisque c'est le domaine immobilier, je suis souvent les annonces, je suis intéressé par le foncier en Côte d'Ivoire. Je fais partie déjà de quelques réseaux et je me suis dit, dès que j'ai eu cette information, qu'il faut que je vienne pour suivre, pour voir de quoi il est question. Et je suis venu, j'ai suivi, je suis vraiment content, je suis satisfait. Les informations dont j'avais besoin pour me pencher sur le foncier et sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, je les ai eues déjà en partie. Il reste la deuxième partie, je vais suivre encore et je vous dirai la suite. Les architectes, tout ce que vous avez payé, permis de construire autre, tout ça mis ensemble, on le prend dans la détermination de votre enfant. Et l'apport minimum, je dis minimum, sinon pas aller plus loin, minimum que la banque exige, c'est 20%. C'est ma toute première participation. Je suis Monsieur Kessé sur YouTube depuis un moment. Mais on va dire, pour moi, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant parce qu'on peut avoir des informations pêle-mêle ici et là sur Internet. Mais quand on échange avec des personnes qui ont de l'expérience et qui pratiquent le métier, cela nous permet non seulement de gagner en temps, mais d'avoir plus d'astuces et de moyens bien approprié pour éviter des erreurs, surtout ça pour éviter des erreurs. J'essaie de faire la différence entre un certificat de mutation foncière, un titre foncier et un ACD. Et franchement, je dirais à beaucoup de jeunes de mon âge de venir. Je ne sais pas ce que vous rêvez faire, mais moi je veux être dans le domaine de l'immobilier. Et si pour être dans le domaine de l'immobilier, il faut comprendre comment l'immobilier fonctionne. Et cette plateforme est bien indiquée pour cela.